La MIF, avant de commencer l'épisode, venez nous suivre sur Instagram, il y a de l'exclu dessus. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur l'épisode. Merci les amis. Arrête, prends tout, prends tout. Pas d'argent. Toi, je t'occupe des affaires, tu te débarrasses des affaires. Moi, je m'occupe du disque dur. Caméra, ça va rien tenir. Frérot, ils ont pris les disques durs, ils ont pensé à tout, ces bâtards. T'inquiète pas, ils vont faire une erreur. On va se croiser, il se passera ce qui se passera. Ah, vous rappelez le braquage des Turcs là? Ouais, j'en ai entendu. C'est bec, hein. Tu vois, et puis là, la sœur Ayus. Elle a fait un guet-apens à mon frère, en gros, avec l'équipe de Becca. C'est l'équipe à Becca qui sont venus le choper. Ils l'ont mis dans une cave, ils l'ont ligoté, ils l'ont démonté. Quoi? Et petit, faut vraiment que tu l'appelles. Mais pour lui dire quoi? Tout ça, c'est de ma faute. Tu crois qu'il va vouloir me reparler? Excuse-moi, tu sors d'où là? C'est ma tante là. Elle m'a pas prévenu qu'elle cachait un pétard comme ça, ta tante. Je suis avec Mélo ce soir. Ça te dit, pense, attrape. Oh, c'est grave, moi ici. Tu crois que je suis au max là? Je suis pressé de voir ça alors. Tu fais des exceptions des fois. Ah, donc je suis une exception en fait. Je sais pas, peut-être, on verra bien. Ah, ça t'inquiète pas, Becca, je me le cul, je vais fumer, gros, je vais fumer. On va rien faire, les gars. Comment ça va rien faire? Viens, on y va maintenant. Mais on va rien faire. Viens, on va les enculer. Ça fait 10 jours que je suis en train de penser à un plan pour les baiser, ces fils de pute. Ah ouais. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Fais nos affaires, hein. Tu pensais quoi? C'est pas les mecs comme toi, ils parlent beaucoup. En vrai, ils ont rien. Qui t'a dit que je rigolais maintenant? Wesh, tu joues à quoi là? Ouais, je vais te montrer à qui tu t'adresses. Wesh, tu joues à quoi là? Vas-y, casse-toi de là. C'est bon, tu peux venir. Vas-y, j'arrive. Putain, vous êtes qui vous? Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule! Eh, toi, ferme ta gueule! Parle même pas avec eux, parle même pas avec eux. Ah, c'est ça tes plans Becca ou quoi? Mais vas-y, frère, qu'est-ce que je pouvais savoir que c'est des putes comme ça? Eh, réveille Yous! Vas-y, réveille-toi, Yous! Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? T'inquiète, tu vas bientôt le savoir. Comment ça, c'est? Eh, arrêtez de faire les malignes comme ça, Azmi. Eh, détachez-moi. Eh, vous êtes qui vous? Eh, détache-moi là! Détache-moi! On va chercher Dany, les gars. Carré. Mais c'est qui mon frère? Vas-y frère, me crie même pas dessus, mais je vais péter. Eh, détache-moi là! Ah, vous pensez que vous pouvez nous baiser comme ça? Attends juste que c'est ça les poufs, y'a ce que tu ramènes toi aussi? Commencez pas à me faire. Mais c'est qui vous a envoyé? Putain. Qu'est-ce qui se passe comme des merdes? C'est qui d'après toi? Je te reconnaîtrai pas le lendemain. AMG dans la putain. Les condamnés en passe, c'est certain. Laisse mentir et dans le temps.
Bang bang bang, ce soir on va te teindre. Oh la la, laisse-moi tirer dans le tas. Bang bang bang, tu peux te habiba. Elle fait la pelle sur les réseaux. Tu lui fais croire que t'es quelqu'un. Allô appel, je signe en pro. Mais tu fais quoi là, poteau? Eh poteau, pose le sac! Pose le sac, frère! Qu'est-ce qu'il fait avec ta gueule, gros? Eh, tu crois que tu parles à qui, toi? Ferme ta gueule! Faire les gangsters! Ah, fermez vos gueules! Et enlevez votre masque! Vos gueules! Ah, non! Y'a mon frère qui vous attend dans la voiture, vas-y! Eh, cassez-vous, bande de pute! Eh, juste monte ta gueule! Bande de sale! Vous savez pas c'est qui? Pute! Merde! Shit! Putain! Hein? Bande de schlag, regardez où vous êtes là! Hein? Nimo, attaché, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, toi, tu vas fermer ta gueule, petite pute, tu fermes ta gueule. T'es attaché, tu fermes ta gueule. Bande de clochards, tout ça pour des meufs. Hein? C'était facile. On se met à votre cerveau, j'ai trouvé 2-3 meufs. Tranquille, j'y parle avec elles. Donc il faut absolument que tu ramènes 2 meufs avec toi. Ce jour-là, ça va être un jour spécial. C'est dimanche, ça veut dire qu'ils vont recevoir toutes leurs thunes. Et toi et tes copines, vous devez faire en sorte qu'ils ramènent toutes leurs thunes pour vous impressionner. Faites ce que vous voulez tant qu'ils ramènent leurs thunes. Okay. Arrivé à la baraque, toi, tu dois faire en sorte de voir où ils vont cacher cette oseille. Comme ça, quand mon équipe et moi, on va arriver, on repart toi et moi avec toutes les thunes. C'est bon? Oui, c'est carré, c'est bon. C'est carré? C'est bon. Ok, c'est bon. On est allé boire notre plan, tranquille. Et toi, t'es tombé comme un bouffon. Et t'as embarqué tous tes collègues avec toi. Je vais te niquer ta race, ma gueule. Oh, les refs, on sait vraiment qu'on allait rien faire? Ce soir, on va les sauter, ces fils de pute. C'est carré, énervé, énervé. Oh, choqué, c'était sûr. Ah, on y va quand là? Ok, je vous explique, on y va ce soir. Ok. Soir ce, il y a un Range Rover qui vous attend. Dans le Range Rover, il y a des cagoules. Vous les mettez, vous m'attendez. Je vais arriver et on les saute, ces fils de pute. Vas-y, c'est carré, on y va comme ça sans rien. Dani, t'inquiète, ouais. C'est moi qui je t'en occupe. C'est bon, Dani, prends les armes et on se retrouve là-bas. Je vous envoie l'adresse, vous m'attendez, vous faites rien jusqu'à que j'arrive. C'est bon, les gars? Vas-y, carré. C'est carré. C'est carré. Vas-y, je vous appelle sur ce, les gars. C'est carré, les gars, c'est carré. Ça t'a pas suffi, hein? Vous êtes tous attachés. Ferme ta gueule! Tu vas fermer ta gueule, petite pute, va! Hein? Guette ta peau, bande de salope, en plusieurs! Pourquoi t'es pas venu tête, petite pute? Je te prends tête à tête contre. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Guette ta peau, sale chien! Guet-apens! Fais le malin! Ferme ta gueule! Fais le malin! Ferme ta gueule! T'inquiète pas! Fallait que je trouve des véhicules! Fallait que je trouve un T-Max! Hein? Fallait qu'il trouve la place pour tout le monde! L'autre bien comme ref? D'accord! T'as parlé de ce pub? Vas-y, dis-moi! Dis-moi, ce soir, je vais faire une descente là! J'ai besoin de 2-3 bolides! T'auras ça pour moi, frérot? Le Range Rover là? J'ai que T-Max aussi! Ouais! Il est teinté le Range en plus! Ouais, c'est grave! Y'a moi qui me rends un service, frérot, tu me poses les clés dans la boîte aux lettres. Vas-y. Et T-Max, c'est le range en bas de chez moi. Sorcier? Ouais, c'est toi. De toute façon, je t'appelle, on s'arrange. Vas-y, carré. C'est bon, frérot? Vas-y, carré. T'as un bon moment. Et en plus de ça, bande de cons au quartier. Ouais, on touche notre osée le dimanche, on touche notre osée le dimanche. C'était facile. Hein? On est dimanche, vous avez pris votre sac, il y avait des meufs, vous les impressionnez. On va tout prendre. Je vais même pas vous toucher, bande de pute. Là, vous allez rien prendre du tout. Ferme ta gueule! Toi, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Le sac, il est dans le coffre. On va se péter. On va prendre nos thunes. Non, pas nos thunes. On va prendre vos thunes, bande de pute. Et vous allez rien faire. Fais-toi plaisir. Profite bien qu'on est attaché, en tout cas. Tiens, mon sang. Réponds-moi, Yous. Réponds. De chien, bande de pute. Ah, vous sentez plus fort. Et ton ordre de gloire, elle va pas durer. Ah, c'est ça, porte-toi. En tout cas, on se reverra. Oh, allô? Ouais, c'est où? Ça fait 10 minutes là, je vais la brancher. Je vais me barrer à la chaîne si tu viens pas. Hein. Ouais, j'ai juste un truc à faire là, vite fait, t'inquiète. De toute façon, t'as les clés là. Vas-y, mais tu vas mettre combien de temps à venir là? J'ai envie d'aller fumer. Vas-y, comment t'as chier? Je suis tranquille, voilà. T'inquiète, je te rejoins. Même pas dans 20 minutes, c'est bon?
Ah, vas-y, fais pas 15 ans là, je vais. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Vas-y, les gars, moi je décale. Vas-y, mon ref. Ça te sent pas prêt. Vas-y, vas-y, tu me déposes. Okay, les gars. Vas-y, carré les refs. Hein. Vas-y, les gars, bien, wesh. Vas-y, bien, les refs. J'enlève ta cagoule, toi, tu joues quoi? Oh, ouais, j'ai. Ouais, gros, tu forces ma gueule, gros. Gros, il faut. Les condés vont passer, on dit, wesh, quel bail. Putain, mais d'ailleurs. T'as genre kiffé voir quand t'as braqué Youss, hein. T'as vu comment il a perdu ses couilles. Même BK, c'est chiant. Ça m'étonne même pas. Je trouve que c'est la sœur Ayus là. Oh, c'est ici, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'arrive, les gars. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Ouais. Tu veux quoi? Je veux quoi? Je t'appelle tous les jours pour savoir si tu vas bien comme une conne et toi t'es là avec des meufs? Je suis avec mes gars là. Tes gars, ouais, ça se voit. Ça se voit vachement, tes gars. T'es venu me dire quoi là? Je comprends pas. Je suis venu te dire quoi, Hassan? Ouais. Je suis venu savoir si t'allais bien. Et je te vois avec des meufs, tu me dégoûtes. T'étais pas sincère en fait depuis le début. Moi j'étais pas sincère. Ouais. Il est pas plus sincère que moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est moi la bouffonne de service, regarde. Ah ouais? Je suis là, je pleure pour un mec qui s'en fout de moi, qui va voir. Mais on en pense ce qui s'est passé avec tu ou pas? On en pense ce qui s'est passé avec tu ou pas? C'est de ma faute? Ton frère, son équipe, ils m'ont défoncé, tu te fous de ma gueule ou pas? C'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est mon frère, Hassan. Qui m'a vendu? Tu crois que je le savais? Tu crois que je savais qu'ils allaient faire ça? Tu crois que je le savais, Hassan? Si je le savais, je les aurais jamais laissé faire ça. Et tu le sais très bien, Hassan, parce que moi j'étais sincère. Tu me parlais de sérieux, tu me parlais de famille. Et je te parlais sérieux, je m'étonnais ou quoi? Je te parlais sérieux. Regarde ce que je vois là de mes yeux. T'es avec des meufs? Vas-y, tu sais rien. Je sais rien, mais je sais que t'es avec des meufs là pour l'instant. Tu me dégoûtes, Hassan. Ah ouais. Tu sais quoi, fais ta vie avec ces meufs. T'iras pas loin, je te le dis. Sonnette. Ah, c'est bon, ça va quoi? Tranquille? T'habites là? Non, c'est chez nous, là, ici. Ah, t'as quoi? Une tija. Ah, voilà. Ah, c'est moi. Vas-y, viens, 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 viens. Merci. Vas-y, pose-toi tranquille. Mets-toi là. Et bien, viens. Eh, moyen de mettre la musique ou pas là? Bah, je sais pas, regarde sur l'ordinateur, là, c'est pas chez moi. Ouais. Eh hey man, tu m'as même pas mis d'eau, gros. T'as même pas mis de joint pour le tuyau. C'est un truc de dingue, je te jure. Même pas de charbon. Non, bah vas-y, une chicha gratuite. Hein. Oh la dinguerie. Obi, faut appeler Obi là. Dans ces moments-là, faut appeler Obi. Allez. Pourquoi les gens ils répondent pas quand? Vas-y. Hassan, il répond lui. Hassan, il répond. Wesh. Réponds ma gueule. Je vais aller au showbiz. Fallait que je sois là. Là.
Allez. Réponds, ma gueule. Moi, personne ne me répond tout le temps. C'est comme ça, là. Choubi, bien ? Ça va ou quoi ? Ça vient d'où ? Ouais, j'avais un truc à faire là. Ah, tu vas faire quoi maintenant ? Comment ça, je vais faire quoi ? T'es pas au courant ? Au courant de quoi ? Pour ton frère ! De quoi, mon frère ? Attends, attends, tu parles de quoi là ? Explique. Qui c'est qui l'a tué ? J'suis dans le bloc, à la recherche de Zeyo. Dans le bloc, à la recherche de Zeyo.